Bonjour, je m'appelle Nora, j'étudie à l'École internationale de Genève et je vous remercie beaucoup pour m'accorder cet entretien. Donc ma première question est la suivante. Il y a des endroits où des gens multiculturels vivent très bien ensemble et d'autres endroits où des gens s'entretuent juste pour une différence de religion. Pensez-vous que la paix est une question d'éducation ou une question politique avant tout? Bonjour Nora, c'est un plaisir de te recevoir. C'est une question très importante et aussi très d'actualité. Personnellement, je pense que la paix, c'est beaucoup plus que l'absence de guerre. C'est un concept beaucoup plus complet. Et si on regarde la Charte des Nations Unies, là, on trouve plusieurs éléments qui aident les gens à vivre l'un à côté des autres dans un esprit de bon voisinage. Et ces éléments sont la tolérance, le respect pour les droits de l'homme, le respect pour la dignité de l'être humain. Donc vraiment, c'est quelque chose, à mon avis, qui est complet. Et ça m'amène à parler de programmes de développement durable à l'horizon 2030, où il y a un objectif, qui est l'objectif 16, que je t'invite à lire, qui parle de promouvoir l'avènement des sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable et d'assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. Je crois que ça répond un petit peu. L'ONU essaie de résoudre des conflits. Comment contribuez-vous à apporter des solutions concrètes à travers cet organisme? Le Bureau des affaires de désarmement de l'ONU promeut le désarmement nucléaire et la non-prolifération. Et soutient les efforts de désarmement dans d'autres domaines d'armes de destruction massive, comme par exemple les armes biologiques, les armes chimiques, et en même temps soutient les efforts de désarmement d'armes conventionnelles, ainsi que de les efforts d'éliminer les trafics illicites d'armes légères et de petit calibre. Tous ces efforts, à mon avis, ont plutôt un impact pendant la conduite des hostilités, par exemple l'interdiction de l'emploi des mines antipersonnelles, ou après le conflit, par exemple avec tous les programmes de désarmement, démobilisation, réintégration des anciens combattants ou de destruction des armes. Quels conseils donneriez-vous aux nouvelles générations afin de transmettre au mieux tous ces efforts engagés? Voilà. Je crois que c'est une très importante question, et c'est une question très importante, et je crois vraiment que c'est vital que la jeunesse soit engagée. Le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, le 12 août de cette année, a dit précisément, a invité les jeunes à être engagés et à exhorter les personnes qui nous gouvernent à les écouter. Il y a plusieurs choses que tu pourrais faire. La première à laquelle je pense, c'est que grâce à la disponibilité des moyens de communication, grâce à l'Internet, aujourd'hui c'est beaucoup plus facile d'organiser un événement, par exemple, ou d'être en communication avec d'autres personnes, d'échanger des idées. Mais surtout, la chose la plus importante, c'est toujours d'être très bien informé, de bien lire, de savoir ce qui se passe et de développer un esprit critique. C'est pourquoi je me suis permis de t'amener une publication qui a été faite par notre bureau, qui, je crois, répond à ta question beaucoup mieux que moi. C'est « Action for Disarmament, 10 things you can do ». Et
c'est une publication pour les jeunes de ton âge et qui offre des suggestions, comme par exemple organiser un événement ou écrire à ceux qui te représentent dans ton gouvernement pour lui dire qu'est-ce que tu penses en matière. Internet est-il devenu une sorte de nouvelle art moderne? Bon, ça c'est une question difficile et je n'ai pas la réponse. On discute. La chose c'est que si l'Internet c'était une arme, bon, alors on pourrait dire que l'usage de l'Internet dans certains contextes pourrait être un acte d'agression. Et donc, on a à ce point-là, si on arrive à ce point-là, on doit se demander quelle loi on peut appliquer dans une instance d'acte d'agression à travers l'Internet. Et la communauté internationale et aussi que les spécialistes en matière sont divisés. Il y a ceux qui pensent que les règles existantes, le droit international existant suffit dans ces cas-là. Donc on peut l'appliquer aussi au cas de criminalité à travers l'Internet, d'actes d'agression potentielle, de cybercrime. Et il y a ceux qui, par contre, pensent que ça, c'est pas le cas, qu'il faut développer un système de loi spécifique qui s'applique à l'utilisation des modernes technologies, incluant l'Internet. Je vous remercie de m'avoir reçu et de m'avoir accordé cette interview. Plaisir, merci à toi.